Bonsoir pour nous tous qui branchez Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans le journal Mitan Journée. Tout de suite, information yo en détail. Équipe État Généraux Sectoriel National EGSN souhaite président République là prolonger mandat yo yon façon pour yo atteindre objectif yo visé. Responsable EGSN yo commence travail sous quelques cahiers d'oléances après plusieurs rencontres yo déjà réalisées avec diverses organisations de base dans différents secteurs dans la vie nationale là. Nous invitons à suivre. Nous avons commencé à recevoir le cahier. Et dans la semaine, ça, nous avons enregistré toutes les responsables de l'association pour nous prendre corps, pour nous vérifier les coordonnées, vérifier nos responsables. Nous avons écrit, il y a plusieurs fois dans la semaine, une lettre qui m'a demandé de voir le cahier. Okay. Maintenant, au niveau du département, moins organisé. Donc, c'est l'instance d'État généraux qui a apporté un soutien technique pour eux, et peut-être même financier, pour aider eux à organiser le forum. Donc, comme pour l'instant, nous avons beaucoup de moyens pour ça. Donc, par exemple, on a le Nord, et tout le département fait déjà, on a fait un calendrier. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons au fond et qui pouvons répondre parce que nous pouvons gagner les ressources pour être capable de mais dès lors que les ressources sont dégagées, ils sont déjà opérationnels parce que nous avons déjà fait plusieurs réunions de planification avec eux au niveau méthode, au niveau logistique, enfin, conception. Tout bagaille au point pour 5 départements qui fait déjà. Et donc, on attend que ressources viennent, que prolongation les effectifs et pour que nous soyons capables de finir la phase préparatoire là. On a un contexte de défiance par rapport à pouvoir public là, par rapport à tout le monde. On n'a pas cru que et nous avons fait un bagaille sérieux. Bon. Et dans le premier temps, par exemple, avant de commencer les discussions faites, par exemple, pour le parti politique, yo, et avant que nous rencontrions le directoire, mais nous rencontrions qui fait au préalable avec mon responsable, ça peut durer 2-7 ans, 3-7 ans pour expliquer, etc. Et finalement, le ouais que, et un pays, de toute façon, et l'empire a effondré, où il vit par phase de corruption, de prévarication, de délabrement moral, éthique, etc. Donc c'est normal que la situation est comme ça, ce n'est pas exceptionnel, parce qu'il y a un pays qui est complètement en lambeau depuis quelques temps, et effondrer mon pays signifie que moralement, éthiquement, il faille. L'autre nouvelle, responsable dans la mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, MINUJUST, présenté mercredi 24 octobre, là, bilan travail réalisé pendant l'année mandat institution dans le pays, dans l'occasion célébration journée Nations Unies. Représentant et spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti, Hélène Méguel-Alim, pendant intervention le fait qu'on est, MINUJUST travaille sous plusieurs projets à quelques institutions qui travaillent sous justice et sécurité en Haïti. Avec PNH, ONU Femmes, il y a un projet qui visait encourager l'intégration femmes dans PNH là, il y a un projet constitution à préparation commissariat. Avec appareil judiciaire, MINUJUST travaille sous question état des droits, détention préventive prolongée avec un projet pour violence dans quelques zones dans le pays. Nous invitons à suivre. La représentation des femmes dans la police est importante car le maintien de l'ordre concerne toute la population. Et elle contribue aussi à une police professionnelle à l'image du pays. Afin de renforcer les chances des candidates, la MINUJUST et ONU Femmes, avec la PNH et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, mettent en œuvre un projet pour encourager les femmes à s'intégrer à la police. On essaye aussi d'augmenter la présence de la PNH à travers le pays. Depuis le début de la MINUJUST, 21 projets de construction et de rénovation des commissariats ont été lancés, ce qui a permis d'accroître la couverture territoriale de la PNH. Pour ce qui est du renforcement de l'état de droit, la promulgation et l'application de lois clés est une priorité. À ce titre, je salue le travail parlementaire qui a permis l'adoption par le Sénat et la Chambre des députés de la loi sur l'assistance légale.
Dès sa promulgation, la MINUJUST se tient prête à appuyer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la formulation du plan d'action. En parallèle, nous continuons de promouvoir l'adoption du nouveau code pénal et au code de procédure pénale. On fait cela à travers l'organisation de conférences dans les régions entre les parlementaires et la population. La MINUJUST appuie aussi le renforcement de l'Office de la protection des citoyens, la OPC, et notamment sa capacité à fonctionner de manière indépendante. Je veux parler maintenant du travail qu'on fait dans les communautés pour essayer de réduire la violence qui affecte certains quartiers de Pape et ailleurs. Nous avons lancé 23 projets à travers tout le pays, dont 3 à Martissant, afin de faciliter le dialogue au sein de la communauté, réduire et transformer les conflits à l'origine de la violence, et aussi générer du travail et des revenus. On fait ça côte à côte du travail qui fait votre police nationale et avec votre acteur nationaux, c'est-à-dire les représentants du gouvernement et, du secteur civil ici en Haïti qui est très fort. Avocat sans frontières Canada remet mercredi 24 octobre là un lot matériel bureau ak motocyclette by responsable Office Protection Citoyen OPC. Don matériel ça rentre dans cadre objectif pour renforcer système judiciaire haïtien. Naftala Denis ak Hervé Pierre pour un reportage. Ensemble outil ça Office Protection Citoyen recevoir, c'est pour faciliter travail institution en fait plus bien pour plus résultats. D'après chef mission Avocats sans frontières Canada, Apollinaire Fausto, équipement ça a coûté $200,000 canadiens. Li encourager yon bon utilisation matériel ça. Améliorer les conditions de travail des agents et également rapprocher ces agents des populations. Donc c'est pour cela que nous avons remis ces équipements qui pour nous sont des outils de travail pour permettre à au bout de la ligne, aux citoyens et aux citoyennes haïtiennes de pouvoir accéder aux droits et à la justice. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, explique OPC a multiplié présence li dans tout département géographique dans pays yon façon pour arriver plus près population et puis atteindre objectif yo qui c'est protéger citoyen yo. Nous-mêmes nous gagne nos agents, nous avons notre directeur départemental qui allait très souvent dans prison des cailles, conditions tellement dégradant et bien parfois il y a des monde qui entrent dans prison qui pas aveugle et bien qui vient non voyant, qui vient atteindre de cécité. Il y a des gens qui sont entrés en prison au CAI, qui sont entrés apparemment physiquement bien, psychologiquement bien, et bien qui viennent sombrer dans la folie. Et la réalité, elle est aussi identique dans d'autres centres carcéraux. Donc, nous sommes capables de dire en clair, il y a beaucoup de défis, mais nous espérons également, dans le cadre de ce projet, et aussi avec l'appui d'autres parties prenantes, les organisations de la société civile, les magistrats qui sensibilisent à la question droit monde, les autorités étatiques au niveau des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, eh bien, vous êtes capable de consentir des efforts pour que la situation soit capable de changer dans le pays d'Haïti. Renan Edouville fait qu'on est, gain pile défi pour OPC lever. Protecteur citoyen, encourager chaque institution jouer rôle dans respecter droit chaque citoyen. Observatoire Recherche sur rapport élite population ak migration OREM à Claude Patneyo représenté mercredi 24 octobre là résultat travail recherche yo fait qui gen pour titre l'état haïtien à réinsertion rapatrié République Dominicaine étude trajectoire migratoire ak insertion socio-professionnelle. Activité ça réalisé en présence professeur université représentant société civile là institution dans l'état organisme en question droit moun équipe qui réalise recherche là ak monde cap travail dans affaires migration. Yon contredit ak Rachel Sefort et puis Robert Chéri.
Selon le coordonnateur général Observatoire Richesse sur rapport et lutte population et migration, Alfred Pierre, atelier restitution ça rentré dans quatre travaux a réalisé depuis 2013 pour l'État haïtien sous politique migratoire. Alfred Pierre explique l'activité ça a été occasion pour présenter résultats aux différents acteurs qui travaillent dans les affaires migration, prendre recommandation yo avant de produire rapport final là. Un premier terrain été mené en 2016 à Anstapit en vain délocalisation mon yo qui était sous camp. Depuis, deuxième partie recherche a mené entre février et mars 2018. Okay? Recherche là, comme nous disons, recherche mixte, à la fois qui visait et bien, ils ont vu photographique sur Mounio, nous qui ça voyait, donc en vue statistique. Donc nous avons mené une recherche quantitative sur un échantillon représentatif de 1794 personnes. Mais dans la recherche là, nous n'avons pas seulement interviewé rapatriés. Nous avons trouvé 967 rapatriés, nous avons interviewé tout 817 personnes dans la population locale dans la zone que nous avons vécu. Dans quatre points frontaliers officiels, Malpass, Ansapit, Belader et Wanamet. D'après Chercheyo, étude là qui prend en compte trajectoire migratoire montre qu'il y a pile monde qui vivent dans la zone frontière qui migrent directement en République dominicaine et puis il y a une minorité qui fait de façon indirecte. Étude là garde tout qui type monde qui prédisposé pour aller la caille voisin. Il y en a pas qui intéressé nous, nous cherche la porter sous lui essentiellement, c'est qui type monde qui a une prédisposition pour aller en République dominicaine. Donc ce que nous considérons, c'est des gens qui ont un rapport social à l'exclusion dans le pays. Hein? Donc dans le sens que ils vivent dans des conditions qui vont permettre de réaliser tête et qui prêt à tout moment pour partir. Donc la République dominicaine, c'est là où ils sont pas calés aux États-Unis, ils ne sont pas calés en France, ils ne sont pas calés au Canada. Donc ils sont intéressés à groupe monde. Chercher au fait ensemble recommandation qui chita sous nécessité l'État haïtien pour intégrer rapatrier yo ak moun qui prêt pour partir yo. La première recommandation à faire, c'est que l'État haïtien doit être en mesure d'intégrer sa population et d'exprimer clairement volonté pour intégrer population ça. Et c'est dans le cadre volonté clairement exprimée pour intégrer, insérer population rapatriée, y compris moun qui prêt pour partir, qui pral bail l'autre état confiance tout ou l'état négocier avec yo condition l'autre moun yo a vivre en République dominicaine par exemple. Par exemple moun qui gon plus le temps qu'a vivre là qui pas gen papier, comment vous permettre de jeune papier. Deuxièmement moun qui fait dans pays et qui faut que l'état dominicain reconnaisse yo. Mais au moins n'a bail un signal que problème migratoire ça li pas durer vitam éternel. Donc puisque le pas durer vitam éternel, gen possibilité pour nous résoudre le problème non, et qui permettent dominicains même à négocier pour résoudre. Donc première recommandation, il faut réguler la question migratoire à partir d'Haïti par le développement économique. Mais aussi il y a un fait, c'est que les gens dans pile dans monde qui pas capable de reproduire tête yo, je veux dire si yo pas migré. Donc yo gain deux choix. Ou bien yo vivent continuellement en sacrifice, nous considérons nous sacrifier, yo, ou bien on choisit de sacrifier, ou bien on migre. Alors, comme on n'a pas de choix, on choisit de migrer. L'État haïtien n'a pas empêcher de migrer. Mais ce que l'État peut faire, l'État peut proposer des mesures qui permettent d'accompagner Mounzao, même s'il y a migré, ou migré dans de bonnes conditions. Chercher au fait qu'on est un travail plaidoyer nécessaire non seulement pour convaincre Mounka Patio, pour ne pas faire n'importe qui gens, mais tout pour convaincre l'État sous nécessité pour l'intégrer et puis contrôler la population. Dans le cadre d'un document Observatoire citoyen pour institutionnalisation et démocratie au CID, présenté sous réforme qui a été faite dans le système électoral haïtien, responsable de faire plusieurs recommandations. Parmi les propositions, au CID recommandé aux autorités concernées de mettre en place le conseil électoral permanent, création d'un fonds national financement électoral et puis permettre à haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau voter dans l'élection présidentielle. Même comité et pilotage au CID demandé Conseil électoral provisoire prend disposition nécessaire pour élections législatives organisées dans l'année 2019 Cap Vinila. Professeur Wony Décroche et Abnel Doudou, tenant micro, c'est quoi pas qui avec Hervé Pierre. Première mesure qui paraît cruciale pour nous, pour stabiliser la question élection en Haïti, c'est arriver définitivement à un conseil électoral permanent. L'ENOUE. Toute difficulté ça te gagne avec modalité constitution 87 là avant amendement et après l'amendement difficulté gagne pour monter conseil électoral permanent, nous suggérer que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle
pas dans le cadre de la loi électorale, que yo capable mettre en place un conseil électoral permanent avec l'autre modalité. Troisième mesure de réforme que aussi doit commander, c'est le vote permettre que compatriotes nous qui dans diaspora, compatriotes nous qui vivent à l'étranger, yo capable participer aux élections, particulièrement les élections présidentielles. Permettre que yo capable participer. Loi électorale doit venir avec des provisions pour faciliter que quel que soit côté haïtien ou bien haïtienne à vivre, li depuis le décider participer dans l'élection, le cas participer. La création d'un fonds de financement des élections. Donc loi électorale là nous recommander à ce que li vienne avec des dispositions pour que l'État haïtien capable gagner un fonds souverain pour organiser l'élection, pour nous suspendre organiser l'élection avec financement étranger et avec le risque aussi que l'étranger ban nous l'ordre sur comment nous devons faire l'élection. En octobre 2019, nous devons gagner l'élection. Élection pour renouveler toute chambre députée. Élection pour renouveler un tiers dans le Sénat. Et nous pensons que l'important que tout citoyen conscient participer dans l'élection ça y est. Parce que si Parlement, depuis 2006, t'es fait travailler convenablement, t'es contrôlé action gouvernement, action exécutif là, je dis à nous pas ta dans la situation que nous vivons aujourd'hui, côté pour nous demander, côté l'agent Petro-Caribéen. Donc nous pensons que nous besoin au Parlement qui baille de meilleurs résultats. Je dis à dans année 2018 là. Donc nous encourager tout le monde qui manifestait réveil ça pour que yo capable impliquer yo dans la vie politique pour y aller voter pour y aller comme candidat tout pour les postes électifs que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau AZEC, que ce soit au niveau du Parlement. L'autre nouvelle, président commission économie et finance Sénat, sénateur Jean-Rigo Bélizière, réagit sous résultat dernier étude Forum économique mondial publié 17 octobre passé à sous indice compétitif. Sénateur Rigo Bélizière dit que c'est instabilité politique qui la cause Haïti occupé place ça dans classement. Parlementaire encourager tout acteur yo prend conscience sous état pays. Un extrait dans micro Fédéral confident avec Fresnel Toussaint. Tourisme qui la pays voisin rapporté le pigou par le pays Béli, alors que nous-mêmes, c'est découragé, n'a pas découragé les gens qui investissent dans ce secteur. Si vous regardez même au niveau des magasins, actuellement, tout ces gros mis à monter. Donc, qui par un bon signe pour l'économie pays, il y a son signe de découragement. Donc, tout compte fait, si nous autres haïtiens, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau des partis politiques, nous pas conscients des situations. Ça va pour nous créer une situation de stabilité, stabilité politique dans la rue et en même temps au niveau gouvernement, eh bien, de plus en plus, c'est pifon n'a pas rentré. Et chaque pas nous fait rentrer pifon ou rentrer pifon net et ou après, c'est désolation totale, c'est découragement total de la part de la jeunesse, de la part des citoyens, de la part de tout le monde. Et finalement, ou au grand pays, même Fatra ou pas ramasser, parce que même Fatra vient tout non politique, matin là ou après, tel maire ramasser Fatra, demain matin ou quantité Fatra plus. Des fois, on va poser d'autres questions. Est-ce que ce n'est pas des mondes qui opposants qui disent bien, pour montrer que nous-mêmes nous pas utiles, map rentrer dans la dynamique de boycottage tout ça qu'a fait comme activité qui pouvait être nous rentabiliser économie pays. Chambre commerce femmes entrepreneurs Haïti CCF lancé mercredi 24 octobre là deuxième forum économique entrepreneurs haïtiens dans centre convention BRH. Forum ça cap déroulé sous thème femmes moteurs de la relance économique d'Haïti possible grâce à partenaire CCF yo l'a fini jeudi 25 octobre là. Plusieurs femmes entrepreneurs qui sortent dans département Sud Nord à Latibonite a participé dans forum ça. Président chambre commerce femmes entrepreneurs d'Haïti a Daniela Jacques et sous importance pour l'État mettre moyens techniques et financiers disponibles pour accompagner femmes entrepreneurs qui jouent un rôle important dans l'économie pays. Un extrait dans le micro Falan Delphin avec Fresnel Toussaint.
en chambre de commerce qui créée en juin 2015, mais qui commençait activité formelle et officiellement le 11 mars 2016, c'est date ça que nous avons fait lancement nous. Et bien, m'a dit que nous avons bien évolué pendant 2 ans, nous avons réalisé un pile projet, et nous fait formation, plus d'une dizaine de formations pour mesdames yo qui fait business et un petit peu dans 5 départements déjà. Et dans l'Ouest, et nous fait plus formation toujours. Aujourd'hui, là, nous avons considéré que chambre de commerce a environ 300 femmes qui fait business et professionnels qui sont membres. Moi, qui a dit son record par rapport à l'autre chambre de commerce qui existait. Et puis, surtout, par rapport à une institution qui, comme si pas dans la culture haïtienne, pour que mesdames yo d'accord organisé, surtout mesdames qui dans business yo. Donc, nous très contents que de plus en plus, chambre n'a fait chemin, et plus femmes ap d'accord entre la donne, plus femmes conscient comprennent l'importance que yo doit participer, que rôle yo important dans l'économie haïtienne. Maintenant, pour implication mesdames yo, dans l'économie, yo toujours dit que l'économie haïtienne reposée sous épaules femmes son réalité et pas juste en parole que je dis comme ça, parce que là nous considérer je dis en combien femmes qui a fait business, combien femmes qui a mené économie, même si c'est dans secteur informel j'en aurais là, mais quand même mesdames ça yo joue un gros rôle et yo représente colonne vertébrale économie. Maintenant, qui ça nous besoin? Le nous organiser un forum économique des femmes haïtiennes. Je dis, c'est 2e édition en cap fête là. Et bien, c'est vraiment pour nous insister pour que l'État haïtien comprenne non seulement l'importance que mesdames yo jouent dans l'économie, mais mettez des structures qui capables permettre que mesdames yo jouent plus d'opportunités. Mettez des structures qui capables permettre que gon fond de l'entrepreneuriat féminin qui créer ça qui pourrait permettre que nous capables investir dans l'entrepreneuriat, investir dans mesdames yo, parce que nous connaissons très bien chaque fois que on femme gen moyen nan mel, et bien c'est pas moyen pas pour lui seulement, li pour petite li pour mari, li pour famille, li pour toute société. Donc nous avons encouragé que l'État dispose l'argent, dispose moyens techniques et financiers qui pour permettre que mesdames yo capable jouer rôle yo plein et entier et dans l'économie haïtienne. Observatoire citoyen pour institutionnalisation et démocratie au CID prononcé sous conjoncture politique actuelle. Organisation a dit prendre note sous quelques décisions autorité l'État yo prend pour faire lumière sous dépenses l'agent Petro Caribéa. Yon extrait dans micro c'est quoi pas qui ak Hervé Pierre. Nous inviter tout citoyen yo, tout monde qui a manifesté yo pour yo rete vigilant sur ces questions de contrat de dépenses pour y suivre tout bail ça et que gagner yon véritable transparence. Nous pas inciter personne à faire violence, mais pour y suivre, pour y exiger que la transparence li existe dans la gestion des affaires de l'État et que la reddition de comptes vienne yon pratique généralisée au niveau de l'État. Chaque mouvement social qu'a fait, pas seulement en Haïti, tout partout dans le monde, il toujours gagne des dérives. Il toujours gagne des dérives. Maintenant, c'est aux forces de l'ordre, c'est aux décideurs, c'est aux autorités de limiter les dérives, d'une part. Ensuite, étant donné que ce bon mouvement qu'on est capable juste cibler, il y a telle organisation qu'a mené, ou pas capable de dire ou après adresser à telle organisation, nous seulement qu'à adresser nous à chaque grain citoyen, pour dire que pendant qu'on va défendre une cause qui est juste, éviter des actions qui sont capables contre-productives. D'ailleurs, pour commencer, on va faire un peu de mouvement lorsqu'on commence à parler de bagailles qui viennent avec des souvenirs qui sont négatifs. Mouvement patriotique populaire de Saline Mopod by Dizonyo sous dossier l'agent Petro Caribéa à conférence nationale là. Coordonnateur national Mopod l'agent André Victor expliqué réponse dirabla chita na conférence nationale là. Nous invitons à suivre. Si Haïti réellement veut faire procès, faut rentrer dans la convention, hein? Solliciter entraide judiciaire à travers juge d'instruction que nous bal moyen pour faire travail là, solliciter coopération technique qui pas coûte l'argent. Donc
gagner espace pour joindre sans besoin l'autre côté dans le cadre de la convention internationale là, sous besoin faire procès Petro-Caribé avancé, faut bail toute institution anticorruption, ILCC, UCREF, BAF dans PNH là, gagne l'autre encore. Cour supérieure des comptes, juge d'instruction, toute institution ça faut renforcer, renforcer avec dit bah au moyen humain, juridique et financier pour faire travail. Réseau national tête calée salier leadership président de la République Jovenel Moïse pour façon la prend en compte revendication population sous dossier l'agent Petro-Caribéa responsable RNT Kayokwe li important pour gain procès qui fait sous dossier ça mais c'est la justice qui doit faire travailler comme institution qui placé pour ça coordonnateur général RNTK Kinton Louis renouvelé solidarité à toute bataille qu'a mené pour déraciner corruption dans société a un extrait dans micro Midray Emilias ak Fresnel Toussaint. Tout le monde a constaté que le président Jovenel Moïse fait preuve de un leadership éclairé. Il prouve que c'est le peuple haïtien qui boussole. Et victoire du peuple, c'est le monde qui vote. Attendez, le parler avec lui. Un groupe dans la société a manifesté. Mandé reddition de compte sous gestion l'agent Petro-Caribéa, président Kouté, et il commence à prendre mesi qui approprié pour lumière faite sous dossier ça. Pour coupable, joindre sa yo mérité. Pour innocent, joindre justice. Président, dans dernier jour ça yo, voyez gros signal, bail tout corrompu, tout plime. Tout primaï qui comprennent okay, que procès contre corruption hein, pas fait, c'était bien compté, mal calculé. Tout le monde qui croit dans l'état des droits, fois ça, lit peuple là, pas dévié, nous pas quitter Petro de Choukeyo, fait rater train l'histoire, nous pas rater procès siècle là, parce que c'est bral TV20 non, non quand démagogue. Il est normal que la population mande compte. Parce que son devoir pour mon cap dirige pays, à bail population, hein, explication sur dépenses qu'il fait dans le pays. Moi, je pense tout. Pendant que la population a demandé rédition de compte, il faut que l'autre monde pas profiter de ça pour faire l'autre bagaille. Qui ça nous remarque? Nous remarquons que dans le mouvement, dans le cap fait dans la rue pour bailler contre ce qui est sur Petro-Caribé, nous remarquons qu'il y a un pile de monde qui profite de mouvement ça pour faire l'autre bagaille. Nous-mêmes, nous dénonçons ça, nous pensons que la population doit jouer contre, la population doit jouer justice dans la question Petro-Caribé, mais il faut que l'autre monde ne profite pas de mouvement dans la rue pour faire affaire par eux. Nous avons dit que la population faut que vous fassiez confiance avec l'institution. Faire confiance avec la justice. Parce qu'on a des institutions dans le pays qui est là pour faire enquête, qui est là pour justice, faut faire confiance avec lui. Donc on est que machine justice là pas marché rapide. Donc on est ça. Mais nous pensons que l'exécutif là a mis les bouchées doubles, a bail moyen pour que justice là, pour que challenger, pour que la population joigne effectivement justice sur la question Petro-Caribéa. Après un coup de pause, pas déplacé, n'a pas tourné. Dans le sport, n'a pas le football sous plan local, association sportive Twitier a organisé un tournoi international dans la catégorie Pipiti passé 17 ans, sorti premier pour arriver 4 novembre 2018, qui a venu là, dans le centre sportif de Carrefour, à Parc Saint-Jean de Crécier. À l'étranger, basketball NBA, première victoire pour LeBron James, avec équipe Lee, Los Angeles Lakers, l'an hier soir qui bat Phoenix 131-113, alors que Stephen Curry marque 51 points pour Golden State contre Washington. Nous invitons à suivre. Sorti premier pour arriver 4 novembre 2018 Cap Venila, association sportive Truitier a organisé un tournoi international dans la catégorie PPT passé 17 l'année dans le centre sportif Kafoua et dans le parc Saint-Jean qui n'en réussit. Selon le responsable ASTO qui a parlé dans une conférence pour la presse qui est faite dans le local métropolis hier, il y a une équipe qui a sorti dans le pays Saint-Domingue, Guadeloupe, qui a participé dans le tournoi football.
Jean Tongué, qui est président de l'équipe ASTA, déclaré que c'est pour une belle opportunité pour les jeunes lieux frotter avec l'autre nation qui travaille dans le football jeune. Il a ajouté que tout le monde international si là a fait dans l'occasion de fête Saint-Charles dans la commune Carrefour. Jean Tongué a profité pour parler de diverses compétitions internationales qui a été participé. Le club ça, il prend naissance en 1977. Mais ce n'est pas un club qui, comme Décadi, a fonctionné dans le sens profane. Nous sommes affiliés à la Fédération haïtienne de football. Et reconnu par l'Europe, et reconnu par les États-Unis d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes. Nous faisons premier palmarès au niveau international, c'est la République dominicaine notamment. Nous sommes sacrés champions. Et deuxième palmarès, c'est Mexico City, nous sommes arrivés troisième. Et au Mexique, nous faisons pas mal de. Nous invitons nous pas mal de fois, même si nous sommes troisième dans la compétition en 2012, nous sommes troisième au Mexique. Après ça, je me dis, bon, nous pas qu'à arrêter dans l'Amérique là seulement, même avec le secrétaire général là, nous dit qu'on allait vers l'Europe. Il n'y a plus grand championnat gagné en Europe, il y a le mondial pupi, c'est catégorie pupi, c'est-à-dire des enfants de 12-13 ans. Nous participons là-dedans, nous sommes quatrième pour la première fois. Ce sont grands championnats qui gagnent toute grande équipe là-dedans, qui gagnent l'Angleterre, qui gagnent l'Italie, qui gagnent le Brésil, qui gagnent Colombie, Argentine. Et c'est là, mes téléspectateurs, journal La Boute pour aujourd'hui. Merci pour attention à fidélité. Restez branchés pour cette programmation. Bon après-midi tout le monde.